À l'IAM, l'Institut africain de management, il est devenu une habitude de marquer une halte pour penser à l'Afrique dans sa diversité. Quoi de plus juste pour un institut qui compte 17 nationalités en son sein? Ce 20 mai 2017, c'est la 6e journée panafricaine de l'intégration organisée au campus de la ZAD. La période rappelle le 25 mai 1963 où des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine ont institué une journée de l'intégration pour favoriser et simuler le rapprochement entre les peuples africains. IAM a la chance d'avoir 17 nationalités en son sein. Donc quoi de plus normal que de célébrer cette intégration? Parce qu'à IAM, il n'y a pas de frontières. Les communautés se côtoient, s'acceptent et se cèdent mutuellement. Donc nous voulons, par ces journées de l'intégration, inviter les politiques à accélérer le rythme de l'intégration africaine. Parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous puissions, pour aller de Ouagadougou à N'Djamena, il nous faut un visa. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. La journée de l'Afrique célébrée ici a pourtant une vision panafricaniste. Pour les initiateurs, l'intégration peut se faire à l'image de la CEDEAO, du Conseil de l'Entente et du CILS. C'est une initiative qu'il faut saluer et reconnaître à l'IAM le mérite de s'engager dans la voie des pères fondateurs de l'OUA. Ce que l'Afrique recherche, c'est l'union, c'est l'intégration. Et quand des instituts qui se sont distingués dans la qualité de leur formation s'engagent dans cette voie, c'est une action qu'il faut saluer et encourager. La cérémonie avait une allure de la Semaine nationale de la culture. Culturellement, les 17 pays ne faisaient qu'un, des stands arborés aux couleurs nationales, des mains au goût d'ailleurs, et les pas de danse sénégalaise, togolaise, nigérienne, que l'Afrique est belle quand elle n'est pas en guerre.